Aujourd'hui, promenade permet de nous découvrir village Fonladigue qui trouve dans le nord de Rodrigue. Aujourd'hui, nous parlons découvrir sur ban habitants, sur ban infrastructure et un peu d'histoire sa village là. Fonladigue, petit village costé que chef-lieu de l'île Pau-Maturin. Fonladigue, un petit village qui compte à peu près 250 habitants. Le village est situé près de Pau-Maturin, pas à Pau-Maturin mais au fond. Et un petit village côté à peu près 80 familles. Et nous vous trouvez dans ma famille là. La plupart, tout le monde jeune, qui a étudié, beaucoup ont étudié et ils ont continué l'étude. Et puis, ils restent à l'extérieur. Finalement, on peut retrouver nous avec un village plus ou moins de grand monde, comment dire. Il y a un petit village tranquille, que nous sommes tout bien contents, que nous payons une bonne harmonie. Et souvent, nous faisons une activité ensemble. Nous payons trop, ça a un gros problème, pour dire, la boisson ou autre. Les jeunes qui nous sont là, c'est tout OK. Mais un des gros problèmes qui nous gagne, c'est que vu qu'il nous reste dans une vallée, qu'il y a une grosse pluie, canalisation, la rivière, ça nous gagne un problème de l'eau. Et peut-être un des problèmes aussi, peut-être plusieurs réseaux, d'un problème, on a content de nourrir les niciens maintenant. Et ça peut faire un peu. Il y a les autres pour faire les niciens de race, etc. Donc ça a un petit problème. Mais notre village est traversé par ce qu'on appelle la rivière Grande, qui est sortie depuis Cascade Pigeon, qui prend sur la source depuis Mont-Lubin, etc. Et ça amène un gros débit de l'eau qui part des Sannes. Il est appelé aussi Fonladigue, parce qu'il suscite beaucoup de la digue au fond dans la forêt. Et puis nous avons vraiment un atout, c'est que nous avons un fourrage à Fonladigue. Et nous avons un peu triste aussi quand nous avons beaucoup de monde, quand nous avons beaucoup de problèmes de l'eau. Nous aussi nous avons un problème, mais c'est moins un problème moins. Et nous avons même un gros tank là-bas, ça il gagne de l'eau qui sort de la fosse Castor. Et beaucoup de monde ailleurs viennent prendre de l'eau surtout dans la période sécheresse. Sinon, ce secteur économique de Fonladigue tourne autour de quoi, hein? Vu qu'il nous pénalise la terre pour planter ou d'autres, nos ressources, c'est beaucoup plus l'eau dans les personnes. Et nous nous retrouvons dans un village où beaucoup de fonctionnaires, c'est la plupart des professeurs, qui sont professeurs primaires ou secondaires. Et puis, il y a le secteur bancaire, ou la force policière ou la médecine. Beaucoup de gens qui nous retrouvent dans la peinant, proprement dit, peinant d'artisanat chez nous. Et puis là, actuellement, là, nous avons un hôtel. Et nous avons un café rose qui est juste à côté, qui ne fait qu'implanter. Et beaucoup de maisons, quand nous avons grandi, nous avons des enfants, ils allaient. Et là, mes parents suivent. Ou alors, la maison restait là, ils ont construit. Mais finalement, j'ai converti ça dans la casa, dans un site touristique. Et Fonladigue peut venir un petit peu un business site touristique. Fonladigue, c'est aussi une page de l'histoire de Rodrigue. Tout d'abord, nous pouvons dire que le village Fonladigue fait partie dans l'histoire de Rodrigue même. Parce que le premier habitant de Rodrigue, si nous considérons comme François Lucas, s'est installé à l'embouchure de la rivière, là, la grande rivière, qui est aussi la rivière Fonladigue. Et je pense que tout sur les temps, il passe. Ben, beaucoup les temps, il passe dans sa région-là. Et historiquement aussi, nous connaissons une famille qui est en grand nombre qui a Fonladigue, c'est dans la famille Templin. D'ailleurs, la rue principale Fonladigue, qui porte le nom de Cotoc Templin, c'est un habitant qui est aussi dans l'histoire de Rodrigue parce qu'il fait un transport de Béduno à Pau-Maturin. Transport ban dimoun et transport aussi ban marchandises par bateau à l'époque qui passait dans la rue, passait dans l'autre moyen de transport.
Après aussi, nous avons une famille Panin, qui est un grand nombre à Pont-Fond-la-Digue. La famille Meunier, Rousty, Auguste. Après, plus tard, nous avons une famille Alas, Colette. Alors, juste derrière la colline, qui font partie dans Montagne-Fanal, c'est dans ma famille Colette qui habite là. Après, une business délocalisée parce que c'est dans un éboulement de terrain, roche qui est dangereux, il y a le lazot qui a le médiot, ça, crève-cœur. Et les fonds la digue, nous avons beaucoup aussi d'émigration. Dans l'année 70, nous connaissons beaucoup de familles temps plein, Cap d'Or, Panin, ils ont émigré en Australie. Dans les autres terrains, encore toujours là, quelques familles temps plein encore habitent fonds la digue. Et Panin aussi. Et d'après l'information qu'ils nous ont gagnée, nous avons dit aussi qu'il y a une collège qui a commencé à faire la digue. Par trois camarades de Maurice, c'est Komol, Botana et Tchengadou. Ils ont commencé une collège là où défunt inspecteur harmonique Plèche a habité. Après quelques temps, deux inhalés, M. Botana continue un petit guide encore, après il y a besoin de fermer. Là, derrière, il y a des élèves qui sont encore vivants, qui fréquentent sa collège. Et alors, est-ce que le fait qu'il prend ça le gars et il reste ici, est-ce que ça peut. Je te servis ça aujourd'hui justement pour promouvoir le village de Paradis. Alors, il y a dans ce côté historique là. Beaucoup de gens du monde, quand ils sont venus, ils connaissent l'histoire de Rodrigue. À ce moment-là, ils fréquentent un peu, ils font la digue par rapport à ça. Mais je ne connais pas exactement si il y a du monde qui peut exploiter ce nom-là ou ça pour, par exemple, une table d'hôte, une maison d'hôte. Mais d'ailleurs, il y a un lieu historique, un monument qui nous trouvait à l'embouchure de la rivière. Là. La rivière aussi qui font partie dans l'histoire de Rodrigue parce que c'est la rivière qui nous fournit de l'eau à l'habitant pour Matira à l'époque. À partir du premier développement pour Matira, c'est la rivière qui fournit de l'eau. Et il y a une fois un gouverneur qui a visité Rodrigue, un habitant pour Matira qui a levé à lui pour faire lui améliorer la distribution et la qualité de l'eau qu'ils estimaient gagner à partir de sa rivière. Alors tout au fait ce qu'aujourd'hui, on coupe les services à la rivière pour approvisionnement en eau. Longtemps, sport, un domaine que te font la digue, finit bien faire son nom. Je ne peux pas dire que de côté de Fond-la-Digue, comme un petit pépinière. Il y a un petit village, mais il y a beaucoup de sportifs ici. Et de côté ici même, mon papa aime bien jouer au football. Hein. Maintenant, nous, ici dans le village, nous continuons dans ce chemin-là. Et nous ne pouvons pas dire aussi que de côté, moi-même, je fais à côté gardien de but, je fais volleyball, basketball et athlétisme. Comme si dans une semaine, 7 sur 7, nous faisons sport. Même dimanche, nous avons rien à faire, nous avons le terrain basket avec des vieux joueurs comme Maël, Ahoy, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui nous. Mais aujourd'hui, nous trouvons que les jeunes peuvent disparaître au fur et à mesure. Nous ne sommes pas intéressés avec le sport. Et donc, disons, le village Fond-la Digue, vous avez beaucoup de sportifs, vous dire? Disons, oui, presque. Terminé. Hein, plutôt ben vieux qu'il a, hein, ben jeune là, de tout peut partir et aller. Ok, de une partie, de une quitte pays, de une aller, ne parle pas dans le pays, c'est le cas dans Maurice ou ailleurs. Et M. Marco, donc, ou pas occupe du sport aussi, quand il y a un homme à tout faire, il nous connaît qui ou met la main, qui gagne partout. Donc, explique-moi un petit peu, qui vous fait comme ça un peu dans Fond-la Digue. Au fait, il y a un réservoir, des mêmes petits bassins, comme on dit. Et plus ou moins, on travaille un peu la plomberie aussi, qui ben a vingement pour quand on avait un réparage pour faire là-dessus. On avait une cassée, on avait un problème pareil, soit la sauce, une bouchée, on a le débouché. Disons, il y a la sauce qui nous appelle la fosse Castro, hein, qui vient dans la montagne. Et là, à partir de là, nous peut récupérer de l'eau, faire une tombe d'un bassin, que du monde un peu tout autour de Pont-Mathurin, de Vincennes de l'eau, même du monde du côté B Malgache, en ce anglais, de Vincennes de l'eau, quand on a une petite pénurie de l'eau, de Vincennes ici. Un dépannage. Donc c'est où ça? Disons, pas tout à fait, disons, quand on a un petit problème, réparation, je viens de dire. Là, on me répare, mais quand on a bien bouché aussi, on a le débouché au fur et à mesure, on fait de la vigne. Surtout quand il y a un gros la pluie qui les bouchait depuis dans la source, qu'on a besoin de déboucher là-bas. Fond-la-Digue, lui aussi connu pour son cachet touristique.
et n'ont plusieurs gîtes dans l'endroit ou chambre d'hôte. D'ailleurs, l'hôtel Escale Vacances, qui est implanté dans sa village-là, finit de faire son nom dans sa domaine-là. Et qu'elle est bien fréquentée, qui par ban mauricien ou ban étranger. Malgré tranquillité, sa petit village-là, font la digue, li abrite aussi ban commerce. Café Rose finit de faire qu'implante l'île-là, et l'IN commerce qui est bien fréquenté par Ban Rodrigue et Ban étranger. On a un petit café, avec Café Rose, nous prépare Ban boisson, ça veut dire qu'on a Ban milkshake, Ban café, différentes variétés de café. Mm-hmm. Et on a aussi Ban boisson frais, comme un jus frais, on a smoothie, Ban affaires comme ça. Et après, nous on a un cadre assez léger, ça veut dire qu'on a beaucoup de salade et on un petit burger, nous avons un plat du jour qui change tous les jours. Nous faisons aussi poisson frit, alors un bon plat qui les autres peinent forcément ou pas dans sa combinaison là. Mm-hmm. Et en plus, bien sûr, nous faisons un gâteau qui allait au café, une génoise, une muffin, faire un gâteau sur commande aussi pour anniversaire et autres. Mm-hmm. Alors, est-ce que Fond la Digue, c'est une place propice justement pour ce genre de commerce? Oui. Alors, nous avons dit Belasca avant, pendant plus qu'un an et demi. Et après, nous réfléchis, nous pouvons rester dans cet endroit-là, nous pouvons réfléchir, le cadre est tellement sympa, beaucoup plus au calme, et nous pouvons aller ce qui nous tient envie de faire. Ça veut dire notre clientèle qui vient contre nous depuis Belasca, déjà, nous pouvons avoir une place plutôt tranquille et sans dérangement, voiture qui passait, sans tapage. Et nous réalisons depuis que nous bougeons ici, font la digue, clients plus contents. Gagne plus clients aussi parce que les autres gagnent exactement sa cachet, sa calme qu'ils ont pérodé. Et la place aussi capable d'assister de haut dans le jardin, capable d'assister en dedans, la terrasse. Alors, les clients plus préfèrent ici que avant. D'accord. Donc, c'est ça, cadre un petit peu familial, un peu exactement. Ici qui attire les clients. Voilà, font la digue. Moi, mon mari est content de font la digue parce qu'il y a un village tranquille. Mais en même temps vivant, ça veut dire qu'il y a pas mal de monde resté ici, mais il y a un cadre tellement cosy avec là, il y a beaucoup la pluie, la rivière peut couler, il est vraiment super sympa et moi je me sens bien ici et mon bon client aussi apparemment. Très bien, merci beaucoup Karine. Merci. Fond la digue abrite aussi les autres commerces comme un salon de coiffure. Et a aussi le centre récréatif du Central Electricity Board. Un centre que ban staff CEB zot pratique ban loisirs.